Alors moi je suis Benjamin, je suis CTO 1 chez SeedUp. Et moi, je suis Robin, je suis CTO 2 chez SeedUp, du coup. Chez SeedUp, on a différents centres d'activité. En fait, d'une part, on passe une partie de notre temps à réaliser du projet pour des clients externes qui peuvent être vraiment très divers. Ça peut être des applications, ça peut être des sites web, ou bien juste développer des nouveaux usages et réfléchir finalement aux besoins clients. Et puis d'un autre côté, on a aussi des projets internes qui sont des projets qui viennent de nous. Là, ça va être des applications de la même manière, mais aussi ça peut être des hardware, des devices. L'idée, c'est que c'est vraiment, on essaie de créer des nouveaux usages à travers nos projets qu'on développe. Alors, nos applications, elles sont structurées généralement, donc avec un mélange de techno. On essaie vraiment d'utiliser les technos les plus appropriées pour les projets qu'on fait. Donc autant sur pas mal de projets, on a utilisé du React pour faire tout le côté front. On va utiliser aussi dans d'autres projets, on a utilisé du Rust de telle manière à avoir des garanties de stabilité dans nos dans les différents devices et différentes applications qu'on fait. L'idée, c'est que quand on architecture nos applications, on essaie d'utiliser les meilleures technologies pour les besoins de ces applications. Et je pense de manière générale, en fait, on est très ouvert à utiliser des langages, disons, plutôt modernes et plutôt expérimentales parce qu'on n'a pas vraiment, de lien avec des technos passés. Donc, on préfère aller directement vers les trucs un petit peu modernes. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire du Rust plutôt que du C. Et que pour les serveurs, on fait du Node.js. On essaye de suivre un peu la manière dont la technologie évolue. On envisage d'utiliser pas mal de nouvelles technologies, des technologies qui sont un peu sur le bleeding edge, notamment donc le Rust, comme on l'a dit, qui est une technologie qui a moins d'un an. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les technologies qui apportent les meilleures solutions. Et généralement, on trouve que dans les technologies modernes, elles se basent beaucoup sur des leçons qu'on a apprises du passé. Et donc même des technologies un petit peu qu'on pourrait croire un peu hipster ont au final leur utilité dans des projets. Et au niveau du hardware, on essaye vraiment d'être en contact aussi avec les fabricants pour que quand il y ait des puces qui sortent, on soit un peu les premiers à les recevoir et de faire en sorte aussi de créer vraiment une base de connaissances sur ces nouvelles puces, sur ces nouveaux usages sur ces nouveaux objets qui viennent de sortir. En termes de trafic, on essaie d'architecturer nos solutions de telle manière à ce qu'elles puissent avoir une scalabilité infinie. Aujourd'hui, on est confronté du coup à des problématiques de scalabilité sur un certain nombre de nos projets qui peuvent aller à différentes problématiques, soit avoir un grand nombre d'utilisateurs concurrents, ça peut aller jusqu'à 50 000 utilisateurs concurrents, soit avoir des grosses problématiques de bande passante sur certains autres de nos projets. L'idée, c'est qu'on va architecturer en fonction du besoin et on va par exemple utiliser des solutions cloud comme Amazon S3 de telle manière à répondre à ces besoins. Au niveau des challenges techniques, on en a vraiment pas mal, principalement dans des questions d'algorithmie, parce que c'est pour ça qu'on utilise pas mal de Python, notamment pour prototyper des services. Ça peut être de la reconnaissance visuelle, des méthodes utilisant des réseaux neuronaux, notamment pour la sélection, pour la prédiction de tendances. Et en fait, c'est assez sympathique parce qu'on peut avancer très très vite sur ces systèmes-là et les nouveaux frameworks tels que le Keras sur Python, c'est un petit peu plus ancien, mais OpenCV qui reste toujours d'une très bonne qualité, nous permettent de prototyper et finalement d'arriver à des fonctionnalités assez impressionnantes auxquelles on ne s'attendait pas forcément au départ, et c'est souvent une fierté. Une autre problématique auquel on est souvent confronté, c'est que nos projets ont vraiment différents besoins et on a du coup on a un grand besoin d'être pluridisciplinaire, autant pour pouvoir résoudre des problématiques donc d'algorithmie, mais aussi de réseau, que ce soit du web, que ce soit des problématiques de hardware. On est vraiment très pluridisciplinaire et du coup, c'est une des grandes problématiques, c'est essayer d'avoir
en continu des réponses à des problématiques très différentes dans des, pour des solutions très différentes. Au niveau de la gestion de projet, nous, il y a déjà une chose de base, en fait, c'est la maison. C'est-à-dire qu'on vit pour la plupart ensemble, et même ceux qui ne vivent pas, en fait, on est très liés. Et donc, on a une capacité à communiquer dans un environnement suffisamment détendu pour faire en sorte que les projets avancent bien et que aussi on puisse disons, donner de la valeur à l'expertise de chacun. Et ce qui, en fait, donne de la puissance à chacune des personnes qui participent au projet, dans le sens où si elles ont une expertise, leur but c'est de l'utiliser au maximum pour faire avancer le projet. Et c'est pour ça qu'on se permet de se donner beaucoup de liberté, c'est parce qu'on a cette confiance les uns dans les autres. À côté de ça, on a aussi mis en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de facilement avancer très vite sur beaucoup de projets. Donc notamment, bon, on a mis en place évidemment un Git pour pouvoir bosser sur les projets ensemble. On a aussi mis, donc on a un chat, etc. Mais on a aussi un certain nombre d'outils un peu customisés qu'on a mis en place. Notamment un chatbot qui nous permet de déployer automatiquement les projets en production, qui permet de faire du monitoring aussi dans le chat, qui nous permet de savoir quand les serveurs viennent, tombent, ce genre de choses. Voilà, l'idée c'est qu'on utilise les outils existants, et quand ils n'existent pas, bah, on les crée nous-mêmes. Du coup, nos cycles de développement sont séparés en deux. Pour les projets internes et les projets externes, on travaille de manière très différente. Pour les projets externes, on va avoir tendance à faire des cycles de développement très courts, très rapides, parce que c'est beaucoup de prototypage, et c'est aussi pour avoir des retours clients très rapides, très efficaces sur des petites parties de nos projets. Au final, on a tendance à marcher un peu en faisant des sprints de manière assez classique, de telle manière à pouvoir avoir ce feedback continu du client et être sûr qu'on avance dans la bonne direction. Pour les projets externes, par contre, en fait, c'est des projets qu'on mûrit de manière, enfin, assez longuement, mais de manière latente par rapport au reste de nos projets. C'est-à-dire que c'est beaucoup de discussions, on parle beaucoup des usages, on y réfléchit. Et ensuite, à partir d'un moment où on s'est décidé sur l'usage principal qu'on veut proposer, là, en fait, en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on commence le développement, on fait des recherches techniques, on établit l'architecture, et en même temps, on fait des recherches clients, on fait des benchmarks, on a ce genre d'informations. On fait vraiment avancer les deux en parallèle, c'est-à-dire que ben, la technique ça, c'est l'importance, mais il faut aussi voir ce que le client a vraiment besoin. Et donc en le faisant avancer en parallèle, ça nous permet vraiment de, disons, de pas mettre de côté l'un ou l'autre des aspects. Voilà. À SeedUp, on a une volonté d'être assez investi dans les projets open source. En gros, on utilise beaucoup de ces projets-là pour pouvoir nous aider dans le développement, notamment. Donc, on a parlé d'OpenCV, il y en a tout un tas d'autres. Et en se développant, ça nous arrive qu'il manque des features, qu'il y ait des bugs, ce genre de choses. Nous, vraiment, notre approche dans tout ce qui est open source, c'est que on a une volonté, quand on répare quelque chose, de redonner à la communauté, parce qu'on a puisé dans ses ressources. Ça nous paraît tout à fait normal de redonner à cette communauté. Donc du coup, notre approche dans l'open source, voilà, on va avoir tendance à redonner là où on a puisé. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, et que quand on développe une feature intéressante indépendamment d'un produit, notre réflexe c'est vraiment d'aller, parce qu'on l'a développé, parce qu'on ne l'a pas trouvé sur la communauté open source, on va aller le publier, on le documente. En même temps, voilà, ça nous fait un peu une expérience de comment est-ce qu'on documente un projet, comment est-ce qu'on fait qu'il soit accessible aux autres. Je pense vraiment que c'est quelque chose de très positif. Enfin, pour tout le monde, en fait, c'est comme ça que le développement avance. Et Robin est un peu timide, il le dit pas, mais il a été un membre actif de la communauté de mode de Minecraft. Les gens s'en rappellent encore.